Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le couloir de l'image pour vous présenter votre émission de prédilection Écho des Arts, plus précisément votre rubrique Invité de la semaine. Pour cette semaine, nous recevons sur ce plateau un grand musicien, un guitariste au nom de Keke Belizier, à qui je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir Johanna, bonsoir. Bon, comme tu m'as présenté déjà, moi c'est Clément Belizier, pseudonyme moi c'est Keke. Bon, je ne suis pas un grand guitariste, je suis un guitariste, je fais partie de la quantité de guitaristes haïtiens que nous connaissons sur le marché. Je me dis que la guitare, c'est un instrument que les haïtiens ne peuvent pas jouer, avec peut-être percussion, tambour et ça. Donc, je suis très honoré de faire partie de l'équipe. Ça. Et puis, bon, nous allons parler de comment on fait pour me arriver là et qui j'en bats là. Exactement, Keke, je dis hein, au sous-plateau et invité de la semaine, plus précisément pour nous parler de parcours artistique. C'est sûr que où tu es un début, donc nous t'aimerions que je dis à vous partager ensemble avec fidèles téléspectateurs qui gens ou même où tu es embrassé domaine ça. Ok. Premièrement, mon lac a bien pas bien. Je m'ai essayé d'entrer dans l'école de musique, je commençais à apprendre à jouer à l'âge de 14 ans. Papa m'a toujours dit, chaque fois que je allais pour l'inscription dans l'école de musique, à l'époque à mon school, je n'avais pas de monde jouer. Bah, ça. L'école, si vous mettez tigre dans l'école de musique, vous avez devant la télévision, vous avez passé sur chaque carnaval. Mais finalement, je suis à l'école Saint-Louis de Gonzague, je suis à 2 heures, à 4 heures, je viens de changer pour la gare 2 heures, je compte que j'ai un parent et longtemps. À mon ami dit là, manger la calée, tourner dans le bureau à 1h30. Pour 4 heures, après ça, je viens de dire, je viens de chercher un petit monde à 2 heures. Donc, parent commence à se faire. Et puis c'est comme ça, ils mettaient activité extrascolaire, puis ils mettaient de la musique. Ils disaient, maman, ah, s'il n'est pas bon, je connais l'école, ça, strict là, ils ne peuvent pas mettre. Et puis bon, maman, après ça, surtout, je pour tes groupes, pas mal, jeudi, c'est justement, je fais cours faculté de médecine, il était chef service pédiatrie, l'hôpital général, tout, il n'y a pas qu'à virer. Papa, même, des chantiers à droite, à gauche, on va dans le pays. Là. Donc, comme ça. Normalement, on dit, on va être assez fort, parce que. Et encouragement par un de barreau, l'antigen restreint par rapport à qui ça? Parce que normalement, musique en général, il y a toujours plus ou moins, well, on t'y crasse mal. Mais par rapport avec ton cas, je pensais que c'était normal pour parents te supporter. Non, et mais justement, c'est nous-mêmes qui défaitons ça. C'est l'équipe musique là qui défaitons ça. Bien et... quand on parle de musique parce que c'est la nouvelle. Oui, ok. Donc, on fait à l'époque. Où tu es allé jusqu'en classe de 4e Saint-Louis-la-Ville, c'est là que tu as cours guitare. Et puis, où tu as fait 3e à Philo, Delma. Donc, quand il y a le Delma, après 2 ans, je me rencontre à Fabrice. Je suis dans 3e, Fabrice est dans le retour. Et puis, il y a un mouvement qui a fait là en groupe. Et puis, nous parlons à l'autre bas ça. Et puis, bon, nous décidons de faire un groupe. Et puis, nous-mêmes, nous avons gagné une associée, nous, mon fondateur Maxence Denis, qui est petit frère Tiraoul et Denis, que tout le monde connaît très bien. C'est monsieur qui a fait transport pour Tiraoul, un pick-up qui marquait music devant. Nous étions dans le pick-up ça toute la journée. À l'installer pour monsieur, pendant qu'on a installé, nous faisons petit techno, puis c'est comme ça, nous dit, ah, comme si dans les machines, nous vivons, nous traînons les jazz, au lieu de nous quitter en anglais, nous traduisons en créole, musique. Puis c'est comme ça, nous allons dans l'école toujours, où on a une année passée, nous allons dans le concours American Airlines, c'était fait en 1986. Moi, je suis à Haïti, il y a à peu près 600 et quelques participants, nous tombons dans 10 finalistes. Bon, nous n'avons pas gagné, nous faisons 7e place, mais c'était une grande première parce que ce n'était pas un concours de novices, c'était toutes les grandes pointures de l'époque qui allaient. Et puis, c'est comme ça que nous étions dans la seconde, Fabrice dans le philo. Et ça, justement, les vins créer tout une génération de musiciens qui ont suivi nous, le premier groupe qui fait après nous, dans la même condition, dans la même lac au Saint-Louis, la cadence. Okay. Michael Guirin et Fabrice Ménard avec Alex Thébault. On savait dire qu'il n'y a pas de culture à Saint-Louis-Gonzague. Culture Saint-Louis-Gonzague, c'est sport, football, volleyball, basket. Et puis, tu as musique longtemps, mais c'était des bagailles comme Simdadou et Fanfara. Bah, ça n'a pas de gain à faire entrer dans le monde commercial de musique. Là. Et puis, si M. Sao fait le tout, Power Sergio et Olivier Durette et Sanders, qui est Monique. Jude et des louches qui l'envahent, et puis voilà, regretté. Et nous-mêmes, après ça, nous fait études, nous. Et Fabrice fait des études en gestion des affaires à Washington, moi-même, fait études moi, en génie civil, en faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti. Et nous avons des carrières, donc nous venons démystifier l'affaire de musique, c'est vraiment. Et nous, Kembe, nous faisons carrière assez active, assez productive dans la musique. Là.
nous pas jamais dans drogue, nous pas jamais dans série de bagages qui ont été dit que systématiquement nous gain famille, nous gain petit monde, nous gain problème, nous gain bill, nous gain bagages, nous montrer que musicien c'est un professionnel que on paye besoin, même j'ai besoin médecin ou besoin ingénieur ou besoin agronome ou besoin toute qualité comptable de salaire, mais voilà. Ou besoin musicien qui peut créer musique pour qui pour entertainer. Déclic qui vient fait avec vous-même par rapport avec l'amour vous venez gagner pour guitare là. Qui j'ont été senti? Non, mais gagne depuis mon petit. OK. Gagne depuis mon petit. Fait 3-4 enfance moi aux États-Unis parce que papa me dit exil du Valier c'est aux États-Unis en fait. C'est l'amour enfance moi. C'était époque, c'était une époque. Bon, vous avez appris style ça, fond cadre, l'exio, qui a empilé James Brown, bon, de guitare rythmique. Bah, c'était remel. Coulier, le minen vient d'entrer en Haïti, bon, pas très bien, bagay haïtien, créole, moi, était lourd, bagay, pas bah, les français, m'a passé misère dans l'école, parce que le système haïtien, primaire haïtien, beaucoup plus avancé que primaire états-unien, puis l'école qui est frère, bah là, difficile. Et puis, au fur et à mesure, moi, j'ai malé. Non, quand je suis allé à la maison, je suis habité toujours. Au Canada, tout a tapé sur une machine, une petite machine de toilette, et puis pour animer quand même ça, je prends Scorpio. Et puis, je parle avec mon sorte de blanc, qu'on guitare avec un autre tête zo. C'était Robert Martino avec Saint-Saint. Il fait des bagues de Scorpio. Puis, il y a des gens qui c'est juste un gars sorti musique. Élève qui pas connaît le son, yo veille, zo, yo mette l'arrivée. Oh, si tu es capable, ou pas, tu apprends pour le pas, allez. Les gars crachent là comme dit oh ça va mal. Ou deux mois passés, on kemes Saint Jean l'évangéliste là, 10 pieds express. Yo gars c'est bien que gars 4 guitaristes. Claude Marcelin, Eddie Willie, puis gars deux réservistes, gars un petit police et puis bon, on vient entrer dans bala mais comment c'est comprendre musique haïtienne. Et puis les Zec les viennent sortir qui était vraiment comme si on a donc un groupe avant-gardiste et qui était plus entré dans la logique ça me dit qu'on attendait. Comme j'étais aux États-Unis, ben ça, et puis je viens faire rien. Et c'est ça que fait nous-mêmes, nous fait partie de ça, les nouvelles générations. Comme je disais, c'est papa, c'est originaire de nouvelles générations. Ça nous fait nous-mêmes, la même musique a été complètement avant-gardiste, très belle. Avec sonorité, rock and roll, ben ça. Belle bagarre, keyboard, c'était teaser, mouchi. Le grand Manitou, le grand sorcier devant Manitou, monsieur, il y a un paquet de sons. Allez, il m'a lancé avec moi, mon chic comme ça, il y a n'importe qui qui bordait, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, tire à rouler, enragé. Et puis, il y a nous-mêmes, génération, pas maintenant, nous venons prendre ça, nous prenons qu'on parle direct là, et puis nous faisons une nouvelle génération qui est plus commerciale. Nous sommes capables de dire dans l'équipe, génération, pas maintenant, première, c'est Zing. Zing, Zinglin. Là, on a dit que Zing est lifetime guarantee, nous en 2020. Mais Zinglin, son groupe qui a fait musique à succès depuis le début 90. Les autres ici en Haïti, et ça continue. Et puis nous avons nous-mêmes, Fantôme, et La Colle, on était tout air ça, vous comprenez? Et puis, c'est une belle aventure. Bon, je vais poser une question qui est assez comique, parce que je prends le soin pour m'entendre avec une passion. Et gens qui ont début, tout ça, gens qui ont commencé, gens qui ont eu l'amour pour la guitare, ou ont joué. Alors, question assez comique, moi, c'est par rapport avec. Nous sommes jeunes, et surtout c'est Kaifré, Saint-Luc Gonzague. Qui gens s'attayent surtout avec l'autre mesdames, soit chez les sœurs? Pas de filles, non? Pas de filles? Non, pas de filles, exactement. C'est peut-être samedi, c'est une question qui est comique, parce que là, nous appelons pour nous jouer partout. Donc, et si nous jouons, il y a un groupe là, qui est là, surtout qui fait et dans la cour Saint-Louis, est-ce que pas de l'autre monde qui est venu et puis qui gens s'attayent? Activité à pas la défaite, non, c'est Pétionville, okay. Quand Maxence ou quand Fabrice, bah, ça. Bon, et puis vous connaissez, bon, je vous dis, surtout jeune à l'époque, t'es très social. C'est pas quand nous t'es socialisé en pile, c'est pas quand vous couliez à des en téléphone. Non. Les vendredis, nous, au Collège Saint-Pierre, les samedis, dans le gymnase, j'aime Vincent, bah, ça, t'es toujours bien, si kermesse l'école à droite à gauche, mais bah, c'est ça. La radio, Collège Saint-Pierre, les filles? Oui, oui, mais c'est ton mouvement. Ça veut dire que nous t'es identifié à. Groupe d'âge noir. Elle dit que musique, c'était pas notre. C'était pas l'affaire de. C'était mon fondateur, c'est Christophe Lafontaine, Maxence Denis, Fabrice Mouzier et puis moi-même. C'était pas l'affaire de ces quatre gars. Okay. C'est l'affaire de toute une équipe, de tout notre groupe d'âge, tout le groupe d'âge noir. Quand Balat est tellement enragé, nous venons obligés peut-être au sérieux, parce que nous prenons nos pieds au sérieux que nous-mêmes nous prenons. Ça n'a pas fait au sérieux. Nous n'avons pas plaisir, nous, non, ils disent non. Vous comprenez donc, Koulia?
Fabrice vient parti, moi rester derrière et puis fini, je fais étude, je fais étude mais puis nous redémarrer dans zone et donc nous capable dit après 86 ça, nous pas vraiment fait bah nous fait petit bail les vacances. Et je suis capable de dire vraiment nous venons redémarrer dans les années 93 comme ça avec une autre équipe Fabrice avait toujours et puis nous et nous venons prendre mon coco Emmanuel Oba nous prend Choupi Jacquet Yvon Jérôme bah ça puis vraiment là on allait puis nous venons puis Mathieu tout entre-temps Fabrice fait une expérience avec Tabou Combo donc je suis prend expérience avec Tabou Combo c'est pas un mince groupe son groupe vraiment c'est un groupe qui a 52 ans aujourd'hui à cap fait bagaille moi-même entre-temps pendant toute pendant la faculté ici les mouvements Emeline la monté et Ralph von Steven sous moi qui était marié Emeline à l'époque il dit ah là on est Emeline à bagaille nous besoin guitariste me dit même pas qu'on a niveau ça il dit oui mais nous on aime plusieurs styles parce que c'était ça ma chose ça veut dire que moi même si qu'on parle de temps en temps la guitare walk and roll mais bagaille ça même dit mais style beaucoup et puis mouche with my je dis on met relax et ça a besoin d'un baoul ou mais venir nous besoin justement un guitariste qui gagne au moins esprit versatile là pour capable rentrer dans diversité musicale mais puis me font bien ça veut dire imaginons 20 ans à faire tourner au Japon à Paris en Hollande non il me l'a pas quitté à m'a crasé du ça dit les nèg yo les dans le pays ça nèg a visité nèg pour le Louvre pour moi moi dans chambre m'a étudié je m'a étudié parce que l'aime tourner fait 2 semaines de coup tourner si moi examen en pile sacrifice ça veut dire que son bagage m'était vrai et nous même pas nous était strict en pile donc seul je pour bail ça t'est marché bayo ça yo pendant longtemps son seul bagage vient petit monde c'est l'école voilà bayo bon résultat là fait son vrai et c'est ça nous fait exactement alors son façon pour nous dire tous téléspectateurs qui regardent nous dans moment surtout pour monde qui l'école yo monde qui soit fini l'école classique ou bien qui avancé avec l'école et on dit études universitaires yo pour kembel là avec études parce que c'est l'école bail avec ça que peut-être yo ka venir demain donc nous voyons que avec histoire ou m'a profiter saluer un jeune artiste que nous découvrir l'autre jour que me tendait son étudiant en architecture m'encourager en pile il est Danola donc moi connait ça parce que il passait dans même moule avec moi bon ben du bac quoi c'est dans facteur moi c'est qu'est-ce qu'un côté m'a appelé ça ou même tendez ça sur YouTube même dit ah ça vraiment son monde le fini architecture là s'il fini architecture pour continuer faire musique il pral gagner université à les développer les bon dimension et ça fois que après toute bagarre musique malgré toute bagarre musique ça ou après que moi Fabrice mon bello faites tout badou all over the place de tous côtés ça parce que un musicien ou pas pour limite tout voilà avec combien son histoire de passion et avec guitare précisément donc l'autre question que m'a avancé ensemble avec lui c'est par rapport avec groupe là d'après vous même est-ce que vous pensez que vous avez vécu un moment qui était assez dur. Nous connaissons des moments difficiles parce qu'on est depuis qu'on est là entre monde. On a des problèmes, nous très jeunes, succès. Chaque monde est succès, c'est pas un bagage que tout le monde est appréhendé ou approprié de les mêmes gens. Quand pour moi-même, succès pas dit rien parce que pour moi-même, moi travaille pour ça, donc s'il arrive, c'est très bien. Voilà. Mais ça veut dire que il y a des monde qui gagne doit et pas jamais moi tête, ça veut dire depuis que j'ai commencé jouer guitare, me projeter tête moi. Quand on a un succès, je me dis, waouh, je ne pas dire que je n'ai rien, mais conduire pour moi. Non, je me dis, l'homme qu'on joue, l'homme qu'on joue, c'est comme ça, je réfléchis. Ou pas mettre tête reconditionnelle du tout. Parce qu'il ne faut pas oublier, nous-mêmes, nous avons une éducation catholique. L'éducation catholique, elle a ça là-dedans. Ça veut dire que la méthode pour arriver à eux-mêmes, c'est rigueur, sacrifice, Dieu labeur, respect de soi, respect d'autrui. Respect des aînés, il faut toujours, comme si nous avons l'esprit ouvert pour apprendre, ou pas jamais finir qu'on est, pour toujours apprendre. Et puis tout le bail, ça, il va venir traduire dans la vie, une série de résultats. C'est ton plaisir, Kéké Belizia, pour nous partager. Pour se voir sur le plateau. Alors, je pense que téléspectateurs, surtout fans Écho des Heures, dans la rubrique ça, édifié de toutes sortes de dire. Alors, il prend fin, regardez-vous en casse. Bon, l'autre jour, alors, nous sommes contents ensemble avec vous, nous sommes branchés pour la programmation.